Le sujet qu'on m'a demandé de traiter a trait à cette question qui est toujours d'actualité aujourd'hui, à savoir ce message universel qui est celui de l'islam. Est-ce un message qui a en lui cette dynamique, cette vivacité, lui permettant d'accompagner les hommes et les sociétés humaines à travers tous les temps et aussi à travers tous les lieux? D'où la question soulevée par nos honorables frères organisateurs, qui était de se poser une question pertinente, à savoir, l'islam en tant que tel, est-il porteur d'un certain réalisme, al-waqi'iyya? Et ce sera cette thématique que je vais me permettre, avec votre accord, de traiter durant cette intervention. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais, en guise d'introduction, rappeler que, à mon point de vue, il y a trois objectifs que nous pouvons atteindre et réaliser à travers ce séminaire. Ce séminaire consacré à une saine compréhension de l'islam, de mon point de vue, trois objectifs apparaissent bien évidemment et à nous de les rechercher et de les atteindre par la grâce d'Allah Azza wa Jalla. Le premier de ces objectifs, pardon, c'est de corriger nos conceptions ayant trait à l'islam. Corriger, tasheeh, al-mafahim ou al-tasawurat. Cette correction est très importante. Pourquoi? Parce que nos conceptions à nous, en tant que musulmans, la manière dont nous concevons l'islam, cette conception est quelque peu empreinte d'ignorance, de coutumes, de traditions, de mélange entre différentes valeurs, quelquefois différents systèmes qui ne répondent pas toujours à l'esprit même de l'islam. Le deuxième objectif, ce serait de rectifier notre manière d'agir en ramenant nos actions sur une certaine voie de la rectitude, jaddatu sawab, et ce par le biais de la traduction des enseignements de l'islam dans notre vécu. Et enfin, un troisième objectif m'apparaît, certainement, c'est que nous devons tenter de dissiper ces équivocités, ces shubuhat, ces idées confuses et ambiguës que l'on retrouve chez beaucoup de non-musulmans. Et ces idées ambiguës, ces idées confuses, ces shubuhat, pour reprendre le terme donc arabe-islamique en la matière, ces idées confuses proviennent de préjugés, de stéréotypes, mais proviennent aussi quelquefois de conduites, de comportements et surtout de concepts erronés émanant de certains individus musulmans. Parce qu'il est trop facile de tout mettre sur le compte des préjugés. Nous sommes aussi quelque part, certains d'entre nous sont aussi quelque part responsables en partie de cette ambiance qui nous entoure, à savoir cette ambiance de méfiance à l'égard donc de l'islam. Trois objectifs. J'espère, Inch'Allah, qu'à la fin de ces séminaires, que nous pourrons les atteindre et recherchons absolument la grâce d'Allah Azza wa Jalla et son aide pour pouvoir y arriver, Inch'Allah. Sachez, mes honorables frères et sœurs, que l'ilm, la connaissance, c'est le chemin par excellence pour comprendre sainement l'islam. C'est le chemin, at-tariq, c'est la voie, al-manhaj, pour comprendre sainement l'islam. Vous savez, lorsque le savoir, qu'il soit profane ou religieux, lorsque celui occupait le cœur de la vie des musulmans, fut un temps, ces mêmes musulmans ont pu donner de leur religion un visage rayonnant, dont les livres d'histoire aujourd'hui, mais aussi certaines plumes objectives, témoigne encore de cette grandeur. Ça, c'est quand le savoir, al-ilm, al-ma'rifa, le savoir, la connaissance, occupait le centre de nos activités, était présent dans tous nos foyers. Bien entendu, ceci ne signifie pas que les musulmans sont parfaits.
Nous avons besoin de certaines distances critiques par rapport à notre histoire. Il y a des moments de gloire, certes, mais il y a aussi des dérives. Ne tombons pas dans l'angélisme. Reconnaissons qu'il y a des choses positives. Elles sont très nombreuses, Dieu merci. Et il y a aussi des choses négatives. Et ces choses négatives ne sont pas à mettre au compte de l'islam même en tant que message, mais elles sont à mettre au compte des hommes qui traduisent ce message dans leur vécu et dans leur quotidien. Ça, c'était un point que je voulais absolument souligner pour bien comprendre la démarche vers laquelle nous tendons. Quiconque revient à la naissance du message et au début de la révélation ne peut que constater une chose. Les premiers versets, awa'ilul ayat, les premiers versets qui ont été transmis à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte de Hira, ces premiers versets n'étaient pas du tout des versets instituant des devoirs religieux. Ces versets ne parlaient pas de la prière. Ils ne parlaient pas du jeûne. Ces premiers versets ont commencé par quelque chose de symbolique. Qui sait me dire c'est quoi ces premiers versets? Oui. Iqra. Ça veut dire quoi ça en français, Iqra? Lis. Récite. Iqra. Regardez par quoi ça a commencé. Et vous savez, il n'y a pas de hasard, car le hasard est impossible. Le fait que ces premiers versets aient commencé par Iqra, c'est une secousse terrible pour ce milieu, cet environnement duquel est issu notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez pourquoi? Parce que cet environnement, ce n'est pas seulement un environnement païen, c'est avant tout un environnement illettré. Les valeurs, les acquis que ces Arabes avaient avant l'islam reposent sur des traditions qui se perpétuent, sur des traditions d'héritage. Les Arabes se disaient fièrement les héritiers du prophète Ibrahim, Abraham. Et donc, de ce fait, il est important de souligner ce point-là, ce verset, il marque la fin d'un temps et le début d'un autre. À partir de maintenant, ô vous les hommes, vous les femmes, qui allez adhérer à ce message, il n'est plus possible de reproduire ce mode de pensée qu'il y avait auparavant. Al-taqlid al-a'ma, un suivi aveugle des anciens, des aïeuls. Perpétuer ce qu'on a reçu, ce qu'on a acquis, tout ceci n'est plus possible. Maintenant, l'esprit critique, la recherche, l'instruction doivent être de mise. C'est dans cette optique-là qu'il faut comprendre la descente de ces premiers versets, donc de la sourate, sourate al-alaq, la sourate l'adhérence. Et on comprend par là même que le message que véhiculaient ces premiers versets est un message clair et explicite. Il s'agit de bâtir ou de rebâtir un homme nouveau dont sa relation avec Dieu sera une relation qui reposera sur la connaissance, al-ma'rifa, et sur la recherche, al-bahth, et sur l'instruction, al-ta'allum. Retenez ces mots-là, ils sont clés. Ils sont très importants. Et durant toute la période de la révélation, Asrul Risala, le savoir, l'instruction, ont toujours représenté le cœur du mouvement de la société musulmane naissante. Chaque fois qu'il y avait un problème qui se posait ou une réflexion qui s'imposait, ces musulmans, hommes et femmes, s'adressaient directement au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à la bonne école pour solliciter ses lumières. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par cette manière, a éduqué ces hommes et ces femmes à toujours rechercher, à mettre en avant, la quête du savoir, la quête de la connaissance, quelle qu'elle soit. Et c'est avec cette éthique, c'est avec cette philosophie de vie que les musulmans premiers ont pu bâtir une civilisation. Heureusement que cette civilisation ne repose pas sur nous aujourd'hui. Ça aurait été une catastrophe. Il a fallu des hommes et des femmes comme ces premiers qui ont compris que tout repose sur la conquête de la connaissance pour mieux connaître son créateur. Parce qu'il faut savoir que l'islam a
défini une certaine philosophie dans la recherche du savoir. C'est que ce savoir doit te rapprocher de Dieu. Et le prophète sallam d'ailleurs lui-même demandait protection auprès de son créateur contre tout savoir qui n'apporte aucun profit, au contraire, un savoir qui était nuisible. Donc on comprend aisément ici, mes honorables frères et sœurs, le sens vers lequel nous allons, à savoir puiser cette connaissance, la rechercher absolument pour mieux connaître son créateur et mieux se rapprocher de lui. Donc il n'est plus question à ce moment-là ni de faire reposer ses acquis sur un simple suivi aveugle de ce que nous avons trouvé, et ni non plus de se reposer sur un patrimoine passé, mawrouth al-mardi, un patrimoine passé, et faire de ce patrimoine passé une chose intouchable. Ce n'est plus possible. Ceci nous conduit à arriver à l'élément qui vous intéresse et pour lequel vous êtes là, pour m'écouter et pour écouter cette intervention. Al-waqi'iyya, le réalisme. Sachez, mes honorables frères et sœurs, que al-waqi'iyya, le réalisme, représente une composante, une particularité qui est partie intégrante du message de l'islam. Ce n'est pas une greffe. Nous n'avons pas dû attendre le 20e ou 21e siècle pour en parler. Al-waqi'iyya, le réalisme, a toujours existé, a toujours été présent au cœur même du message. D'ailleurs, notre honorable frère et professeur, donc Hassan Abdouni, juste avant moi, a parlé de cette notion donc, de ce qui est immuable et ce qui est évolutif. Ça démontre à quel point cette charia, cette loi, elle est réaliste. Parce qu'elle cherche à répondre aux besoins des hommes, et nous allons voir très bientôt la définition que nous pourrons donner. C'est une définition approximative que nous pouvons donner, et que nous pourrons donner aussi à ce terme al-waqi'iyya. Donc en résumé, al-waqi'iyya, à titre d'introduction, avant d'entrer dans d'autres éléments de notre intervention, al-waqi'iyya, le réalisme, fait partie intégrante de l'islam, du message de l'islam, et ce n'est pas un rajout des hommes, surtout aujourd'hui. On parle beaucoup de modération, on parle beaucoup de réalisme, on parle beaucoup de réforme aussi. Ce sont des termes qui sont beaux, qui sont charmants en soi, mais ne tombons pas dans ce piège de se laisser tromper par les apparences des termes et de ne pas savoir ce qui se passe ou ce que nous réserve ceci. Et par rapport à ce que je viens de dire, sachez que nous devons nous libérer d'un complexe qui est de se laisser influencer ou de se laisser subir une certaine contrainte de l'environnement qui nous entoure. Ça, c'est important, ça. À voir ce que disait l'imam Ibn Qayyim, cette basira, cet esprit de discernement, de clairvoyance qui nous permet de faire la part des choses entre ce qu'on peut vraiment attribuer à l'islam et ce qu'on ne peut pas. Vous comprenez cet élément-là? C'est important, ça. Parce qu'on parle beaucoup de ces notions-là à cause de ces questionnements récurrents que nous recevons de la part des non-musulmans, de la part des sociétés occidentales dans lesquelles nous nous trouvons. Alors les musulmans se mettent en posture de victime ou encore de la défensive. Non, non, on va vous expliquer, c'est pas ça. Ça veut dire ceci, ça veut dire cela. À titre anecdotique, il y a un jeune qui est venu d'un pays arabe. Il est venu étudier en Allemagne. Lorsqu'il est venu étudier en Allemagne, son professeur, l'un de ses professeurs, un jour, l'a interpellé, lui a dit: « Mais peux-tu m'expliquer, toi qui viens d'un pays arabe et musulman, la raison pour laquelle vos sociétés à vous, les sociétés de l'Orient, al-Sharq, sont en retard? Vous êtes en retard sur tous les plans. C'est quoi la raison ?» Regardez la réponse qu'il va donner. Il va dire: la cause de tout ça, c'est l'islam. C'est l'islam. Ok. Le professeur ne rajoute pas de commentaires. Mais ce qui est intéressant dans ce récit, c'est que quelques temps plus tard, ce même professeur interpelle ce jeune en lui disant: viens avec moi, je vais t'inviter. Nous allons visiter un service médical à l'hôpital. Il faut que tu m'accompagnes. Alors cet étudiant l'a accompagné. Et ils sont arrivés dans ce qu'on appelle Al-Amrad al-Batiniya, le service, donc tout ce qui est gastro. Il y avait une enseigne
Sur cette enseigne se trouvait écrit une tradition prophétique. Bon, ils n'ont pas indiqué c'est le prophète qui l'a rapporté, mais ils ont indiqué comme si c'était une sagesse, hikmah. Et en fait, cette tradition parlait de l'utilisation du miel comme thérapie contre la gastro, etc. Alors, il interroge ce jeune homme, que lis-tu ici ? Alors, il lit le texte, ou la, entre guillemets la sagesse. Qu'en penses-tu ? Il dit, c'est très juste. Regardez la réponse et la réaction de ce professeur. Donc, ce professeur allemand qui n'est pas musulman. Il répond à ce jeune en lui disant, vois-tu ce propos ici ? C'est le propos de votre prophète. C'est vous qui êtes en retard, et pas l'islam. C'est vous qui êtes en retard. Par rapport à la science moderne, ce propos prophétique marque une avance terrible sur le temps. Et ça, c'est le problème qu'on a aujourd'hui. Un complexe d'infériorité qui nous pousse toujours à nous justifier et à nous expliquer. Alhamdoulilah, la notion de réalisme, comme nous venons de l'indiquer, fait partie intégrante de l'islam. Nous n'avons pas dû la rajouter, tout comme celle de l'ouassarté. Il y a le juste milieu aussi. Cela fait partie même du message et toutes les dispositions sont prises pour aller dans ce sens-là. Alors venons maintenant à cette définition que nous pourrions donner au réalisme al-waqi'iyya. Nous sommes d'accord que le réalisme fait partie intégrante de l'islam. C'est une particularité intrinsèque à l'islam. Là-dessus, tout va bien. Alors, quelle définition donner à ce terme de réalisme ? Je me suis permis, avec, bien sûr, avant tout votre accord et surtout l'accord de nos deux honorables professeurs qui m'ont précédé, de m'avancer sur une certaine définition, certes approximative, loin d'être parfaite, pour essayer de donner un certain contour, de délimiter les bordures approximatives de ce terme. Alors, je dirais, Wallahu a'lam, bien sûr, que lorsque nous parlons de réalisme, nous sous-entendons cette capacité qu'a l'islam à tenir compte d'un vécu ou d'une réalité ou d'un contexte sans s'y résigner, en poursuivant la réalisation de l'une de ses finalités. Je répète. La capacité qu'a l'islam, donc la capacité qu'a l'islam, pas s'adapter, le mot adaptation n'est pas le bon terme, à tenir compte d'une réalité, d'un contexte ou d'un environnement, sans s'y résigner, et en poursuivant la réalisation de ses finalités ou de l'une de ses finalités, ce qu'on appelle maqasid. Cette définition approximative mérite quelques précisions ou quelques explications. La première explication que je voudrais vous apporter concernant cette définition approximative, nous devons toujours avoir présent à l'esprit que ce message est un message transcendant. Risala Rabbaniya, ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Ce message divin est un message transcendant qui ne relève pas de l'homme. Ça, c'est une première chose. Et Allah Azza wa Jalla, bien entendu, sait très bien ce que ces créatures ont besoin. Il n'y a rien qui a été mis au hasard. Prenez n'importe quelle question de jurisprudence, il n'y a pas de hasard dans ces questions. C'est voulu, il y a un objectif, il y a un maqsad. Et l'exemple que j'aime à donner, c'est que les préceptes, ahkam shari'a, les préceptes de la sharia ressemblent à un puzzle. Quand vous mettez chaque pièce l'une près de l'autre, vous avez un tableau cohérent de ce que recherche la charia, la loi musulmane, comme finalité à atteindre. Allah Azza wa Jalla n'a-t-il pas dit « Alla ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir » Alla ya'lamu man khalaqa. Ne sait-il pas ce qu'il a créé ?« Wa huwa al-latif » Al-latif, le doux, al-khabir, le bien avisé. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, toujours dans notre explication, contrairement à certaines philosophies qui soit nagent dans un monde d'irréel, dans un monde abstrait, ou alors va à contresens de la nature humaine
tel qu'Allah Azza wa Jal l'a créé. Al-fitra, cette prédisposition naturelle. Contrairement à ces approches philosophiques, il faut savoir que le message de l'islam traite avec des données objectives, avec des réalités objectives et réelles. Ce n'est pas de l'abstrait. L'islam, à travers toutes les dispositions que l'islam a prises par rapport à une série de questions ou de problématiques, il traite avec une réalité, il ne parle pas de choses abstraites. Parce qu'il y a des objectifs, il y a des finalités maqasid qu'il faut atteindre absolument. On ne peut pas rester abstrait. Et ça, c'est un point très important que je tenais donc à souligner, pour que vous compreniez, quelque part, le sens de ce réalisme al-waqi'i. Autrement dit, le réalisme dont est porteur l'islam revient à traiter des hommes, à gérer des situations humaines où nous avons affaire à l'homme qui n'est pas une créature parfaite. Allah Azza wa Jal, à travers son message, ne s'adresse pas à des anges, malaïka. Il s'adresse à des êtres humains, dont il a parfait la création, mais en même temps, il les a dotés de certaines dispositions ou prédispositions. Rationnelles, aqliya, naturelles, fitriya, et instinctives, raliziya, trois choses. Ces trois éléments-là se trouvent dans l'homme. Al-aql, la raison, al-fitra, la prédisposition naturelle, et troisièmement, al-ghariz, l'instinct. Et dans sa vision globale des choses, la sharia cherche à concilier ces trois aspects et surtout à élever l'homme. L'homme ne peut pas rester à un niveau bestial, à un niveau terrestre. Il faut l'élever, mais en partant d'une réalité. C'est pour cela que l'islam réussit avec excellence. Il réussit à combiner, à concilier deux aspects qui peuvent paraître pour certains contradictoires et antinomiques, mais ils ne le sont pas. C'est le côté réaliste, al-waqi'iyya, et aussi l'idéal, al-mithaliyya. Ça va ensemble. Vous savez pourquoi? Parce que cette sharia cherche à nous élever dans ce que nous sommes. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ. Nous avons honoré les fils d'Adam. Allah cherche à nous élever par ce message. Mais pour nous élever, il faut partir d'une réalité. Et c'est ça la pédagogie coranique et prophétique qui était de vigueur pour pouvoir atteindre cet objectif ou ces objectifs. Alors il y a une question qui se pose. Nous savons que c'est une particularité intrinsèque à l'islam. Mais où la retrouvons-nous? Est-ce possible de définir les sources référentielles desquelles nous allons tirer cette notion de réalisme, de waqi'iyya? La réponse est oui. La réponse est oui. Et pour vous résumer tout cela, nous pouvons parler de deux grandes sources. La première de ces sources référentielles, c'est une source initiale. Masdar bil asala. Ce sont les textes fondateurs de l'islam, le Coran et la Sunna. Et la deuxième, c'est une source annexe, bittabariya, masdarun bittabariya. C'est ce que certains juristes appellent al-fada', fada'u l'ijtihad, l'espace étendu de l'ijtihad. Je m'explique. Nous avons des textes, nous avons des références. Et le théologien, le docteur de la loi musulmane, va partir à partir de ces textes pour saisir une série de réalités et y donner les réponses adéquates. C'est un travail de réflexion et d'interprétation et d'extraction aussi des nouvelles données ou des nouvelles réponses que nous aurons besoin. Le réalisme, al-waqi'iyya, s'inspire de ces deux sources-là. Des sources écrites, Coran et Sunna, et une source qui est réflexive, parce que le juriste, lorsqu'il est confronté à une nouvelle situation, il doit y répondre, et la réponse qu'il va donner, à partir de la réflexion qu'il tirera de son analyse donc des textes fondateurs de l'islam, les réponses qu'il va donner, ces réponses-là font partie du réalisme de l'islam. Le contraire aurait été inconcevable. Quel est le contraire? Le contraire,
c'eût été de penser que l'islam ne peut apporter aucune solution. Et ici, je me permets de m'élever contre ceux qui osent dire encore aujourd'hui que ce message est un message donc moyenâgeux. Il s'arrête donc à tel siècle ou à l'époque prophétique et n'est plus capable de répondre à tous les défis de notre temps et de celui qui suivra. Une personne qui parle de cette manière ou qui s'exprime de cette manière n'a absolument rien compris à l'intemporalité de ces textes. Et si le texte était limité dans sa portée temporelle, Allah Azza wa Jal devra envoyer un nouveau message et un nouveau prophète, ce qui n'est pas possible. Parce que l'une des particularités de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est rapporté dans cette tradition tirée de Bukhari et Muslim, l'une de ses particularités, c'est qu'il dit sallallahu alayhi wa sallam, وَكَانَ النَّبِي يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِ خَسَ وَبُعِثُ إِلَى النَّاسِ كَفَ. Chaque prophète était envoyé à son peuple, à sa communauté particulièrement. Quant à moi, j'ai été envoyé pour tout le monde. J'ai été suscité pour tous les hommes. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé que comme clémence pour l'humanité. Donc on comprend aisément, mes honorables frères et sœurs, que cet instrument de l'Islam est très important, car c'est lui qui accorde à l'Islam donc cette intemporalité lui permettant de parcourir le temps et de rester ce message éternel et universel qu'Allah Azza wa Jalla lui a donc défini. Donc j'espère en tout cas que ce point est très clair concernant les sources desquelles nous tirons cette notion ou ce concept de réalisme waqi'iyya. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Je parle, mais... Pardon ? 20 minutes, ça va. Ok. Mais attention, parce qu'il y a 20 minutes, il y a 20 minutes arabe aussi. Hein, donc... On va dire que quelqu'un a dit 20 minutes islamiques, il n'a pas tort. Ça me rappelle un fait anecdotique, si vous me permettez, j'aime bien un peu décontracter l'ambiance. Un jour, j'attendais un frère. On s'était mis d'accord, il devait passer me voir après l'après de l'Asr. Okay. Et j'attends ce frère. Il n'est venu me voir que 5 minutes avant le Maghrib. Alors quand je l'interpelle, je fais rien. On s'est dit après l'Asr. On est encore après l'Asr. Tout à fait, exactement. Et ça, c'est notre problème. On a souvent dit qu'il y a le rendez-vous arabe, le rendez-vous islamique, tout comme il y a Inch'Allah aussi. Hein? Il y a deux types d'Inch'Allah. Il y a ce qu'on appelle Inch'Allah tahqiqan et Inch'Allah ta'liqan. C'est pas la même chose. Il y a Inch'Allah tahqiqan qui est de dire oui, Inch'Allah, je vais faire la chose, je m'engage, j'assume Inch'Allah. Et il y a l'Inch'Allah arabe à nous, donc qui est ta'liq, qui est suspendu. C'est celui qui ne veut pas dire oui ou non à quelqu'un. Alors il laisse les choses suspendues en disant « Inch'Allah, tu viens me chercher ?»« Inch'Allah. » Après cette parenthèse de détente, revenons au sérieux. Maintenant, je vais me permettre de vous citer des exemples qui démontrent et étayent que ce message intemporel, ce message éternel et universel est un message porteur de ce réalisme, de cette waqi'iyya. Nous avons beaucoup d'exemples. Prenons celui de l'argumentation quant à l'existence de Dieu et à son unicité. Lorsqu'on approche les philosophies anciennes, surtout grecques, c'est terrible ce qu'on retrouve. Les philosophies grecques, et les philosophes grecs particulièrement, comme Platon, Aristote et bien d'autres que vous connaissez certainement, ces gens-là, lorsqu'ils ont dû expliquer cette force qui dépasse leur entendement, ces gens-là se sont mis à expliquer ou à élaborer une théorie concernant un divin.
mais c'est un divin abstrait. Un divin qui est le produit de leur pure imagination. Je ne sais pas si vous avez lu la biographie de ces différents philosophes. Certains ont terminé fous, d'autres se sont suicidés. Ça en dit long. Donc ils se sont imaginés Dieu d'une certaine manière. Mais c'est très abstrait. C'est irrationnel. En revanche, lorsque nous voyons la manière dont l'islam va argumenter pour établir et attester de l'existence du Créateur, Al-Khaliq Subhanah, et aussi de son unicité, Allah Azza wa Jal va nous interpeller par ce plus grand don qu'il nous a donné, c'est l'intelligence. C'est la raison, Al-Aql. Et beaucoup de versets coraniques vont dans ce sens. Ils vont dans le sens d'un appel à la réflexion. Allah Azza wa Jal se présente à toi, il te fait connaître qui il est à travers ce qu'il a essaimé dans la création comme signe. Vous voyez, c'est rationnel, ce n'est pas abstrait. C'est du vécu. Je prends un exemple. Et il y a beaucoup d'exemples. Dans la sourate la vache, sourate al-Baqara, Allah Azza wa Jal dit « Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layl wal nahar والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Il y a dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit, dans ces vaisseaux qui sillonnent la mer et qui sont porteurs de ce qui est utile à l'homme, dans cette eau qu'Allah Azza wa Jal fait descendre du ciel, par l'entremise de laquelle il rend vivant une terre qui jadis était morte. Il y a le régime des vents, il y a ces créatures qui pullulent dans la terre, et d'autres signes. Tous ces signes sont des signes pour les hommes et pour les gens qui réfléchissent. Regardez comment Allah Azza wa Jal veut amener à deux constats. Il veut amener vers la croyance en un créateur, Khaliq, première chose. Et si tu crois en le créateur, tu ne peux que croire après en sa divinité. Al-Rububiyya et ensuite Al-Uluhiyya. Tout va ensemble. Vous voyez ici comment il y a un réalisme dans le volet de la croyance et l'aqida. Il y a un réalisme. Allah Azza wa Jal et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils traitent ou ils abordent les questions de la foi, de la croyance, ce n'est pas abordé d'une manière abstraite. L'homme est invité à réfléchir, à penser. Bien entendu, il y a des questions qui relèvent du monde de l'imperceptible, alimul ghaib, c'est certain. Parce qu'il faut rappeler une chose, si Allah Azza wa Jal a donné la raison à l'homme, cette raison n'est pas absolue. Cette raison humaine doit savoir qu'elle a des limites. D'où l'intérêt de croire en ce monde imperceptible, ce monde qui dépasse notre entendement. À chaque fois que l'homme a cru tout comprendre, tout saisir, il s'est érigé en tyran. On a l'exemple de Pharaon, Pharaon, lorsqu'il leur dit « Ana rabbukumul a'la »« Je suis votre Seigneur suprême »« Ma alimtu lakum min ilahin ghayri » Je ne connais pas pour vous de divinité en dehors de moi. Et bien d'autres exemples. L'homme se doit de se rappeler cet état d'humilité. An-nasu min Adam wa Adamu min turab. Les hommes sont issus d'Adam. Et Adam vient d'où Adam? D'où vient-il? Il vient d'où? Il vient de la terre. At-turab. Rappelons-nous cette notion. La raison humaine est limitée. Mais en même temps, Allah Azza wa Jal a aidé l'homme à découvrir à travers ses perceptions, Al-Hawas, il l'a aidé, Al-Mudrikat aussi, il l'a aidé à découvrir et à percevoir le plus qu'il peut autour de lui. Et après ça, ce qu'il ne peut pas découvrir, il doit tout simplement y croire. Parce que cela relève de ce monde imperceptible, Alimul Ghaib, dont l'homme n'a pas accès. Ok ? Ça, c'est un exemple typique que je voulais absolument vous citer. Pour que vous voyez à quel point
cette croyance musulmane est une croyance réaliste et ne traite pas de choses abstraites comme c'était le cas de ces philosophes de ces temps. Aussi, parmi les exemples qui illustrent et démontrent que le message de l'islam est un message réaliste, il y a cette permission faite par Dieu de jouir des bienfaits de ce bas monde. Tu peux jouir des bienfaits de ce bas monde, mais n'oublie pas le but, le rôle, la finalité pour laquelle tu es ici. Tu peux jouir. Allah Azza wa Jalla, dans son livre saint, qu'est-ce qu'il dit ? S'adressant à ces gens qui se permettent d'interdire des bienfaits permis, mubah, sous prétexte que ces bienfaits nous détournent de la dévotion, at-ta'abbud, ou encore de la sèse, az-zuhd. Allah Azza wa Jalla dans ce verset nous dit: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. Quiconque se permet d'interdire, de prohiber ses parures qu'il a suscitées pour les hommes, ainsi que tous les bienfaits dont l'on peut jouir, at-tayyibat. Qui s'est permis d'interdire ça? Donc l'islam rejette, mes honorables frères et sœurs, la notion de pratique monastique qui revient à s'isoler de la vie, à s'enfermer dans sa mosquée et à se consacrer uniquement à la prière. Non. Et malheureusement, cette chose-là existe chez certains de nos jeunes aujourd'hui. Pardonnez-moi pour la franchise. Elle existe chez beaucoup de nos jeunes aujourd'hui. Certains jeunes pensent qu'à partir du moment où on revient vers le dîn, ils prient. Peut-être qu'il va laisser pousser sa barbe, peut-être qu'il mettra un qamis, c'est bon, il atteint le sommet. C'est bon, il a rejoint le salaf salih, c'est bon. Et plus pire que cela, c'est qu'il ne fait ni d'études, il ne travaille pas, il ne fait absolument rien, il est à la charge de la société et il se cache derrière l'islam pour justifier son état de fait. Comment cela? En deux mots. Lorsque tu lui dis, cher frère, ne crois-tu pas qu'il faut aller travailler, qu'il faut faire des études? Non, non. Moi, je suis en train de faire des études islamiques. Ben, l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux très bien faire des études profanes et des études islamiques en même temps. L'un n'empêche pas l'autre. Et le pire chez ces jeunes-là, pardonnez-moi pour ce constat, c'est que, comme le dit l'expresso arabe, « la fil ir wa la fil nafir », ils sont nulle part. Ils sont ni dans la caravane, ni au champ de bataille. Ils sont nulle part. Ni il a pris son dîn, comme il le prétend, je vais étudier les sciences islamiques, ni non plus, il s'investit dans un travail, dans des études. Et tout cela se fait au nom de l'islam. Ça, c'est dramatique, ça, comme situation. Et je peux vous garantir qu'il y en a plein. Tant que maman et papa sont là, tout va bien. Il rentre chez lui, ses vêtements sont propres. Maman qui prépare son petit-déj ou son repas, c'est bon, pourquoi elle va se prendre la tête? Il se lève quand il veut, il va prier à la mosquée, il revient. Sa vie tourne autour de ça. Ça, c'est ce qu'on appelle en arabe « as-salbiya ». « As-salbiya » en arabe, c'est une attitude contre-productive. Tu n'apportes rien, une vie monastique. Donc ils s'enferment dans les monastères, ils prient leur Seigneur et ils se coupent de la vie. Et Allah Azza wa Jal a condamné cette pratique innovée et innovante qu'ils ont fait dans notre livre, Al-Qur'an. Je vous renvoie à la sourate Le Fer, sourate Al-Hadid, où Allah Azza wa Jal, parlant de ses premiers chrétiens, il dit d'eux: وَرَهْبَانِيَةٍ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا. Il y a des pratiques qu'ils ont inventées. L'islam ne l'accepte pas. D'ailleurs, il y a un très beau livre écrit par un savant contemporain qui est décédé, qui était une éminence. C'est l'imam Abu al-Hassan Nadwi, un indien. Il avait écrit un très beau livre qu'il avait dénommé « La rahbaniyata fil islam ». Il n'y a pas de pratique monastique en islam. L'islam ne s'enferme pas dans les mosquées, dans un lieu de culte. L'islam est un mouvement. L'islam est en contact avec le courant de la société. Tayyar ul-hayat. C'est ça l'islam. Et c'est ça le réalisme aussi.
Également, parmi les aspects qui nous démontrent que ce message de l'islam est porteur d'un réalisme ou du réalisme, c'est que l'islam accepte la notion de pluralisme et de pluralité. Aujourd'hui, on taxe les musulmans ou l'islam comme étant une religion qui cherche à établir son hégémonie sur le monde. On cherche à islamiser le monde entier. Or, nous avons une vérité et une évidence coranique qui prouve tout le contraire. Allah Azza wa Jalla dans son livre saint, il nous dit « وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدًا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَ » Si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait de vous, donc de tous les hommes, une seule communauté. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ Et ils ne cesseront de diverger. إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ Sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé la clémence. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ Et c'est pour cela qu'il les a créés. Certains exégètes, مُفَسِّرُون, nous disent que cette particule indicative, ismul ishara ici, وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ C'est pour cela qu'il les a créés. Et وَلِأَجْلِ اخْتِلَافِهِمْ خَلَقَهُمْ C'est justement par l'entremise et pour la raison, entre autres bien sûr, de la divergence qui les a créés afin que liyabluakum fima atakum fastabiqul khayrat. Il vous éprouve parce qu'il vous a donné à vous de vous concurrencer dans ce qui est meilleur. Donc on comprend ici, mes honorables frères et sœurs, que nous avons en tant que musulmans, notre message a toujours admis l'existence d'autres nations, d'autres peuples, d'autres communautés, d'autres confessions. Et bien entendu, nous avons un devoir de partager notre foi, notre témoignage de foi avec les autres. Ça, c'est même un devoir religieux pour nous. Mais à côté de cela, sachez que de là à prétendre que l'islam cherche à établir son hégémonie sur le monde, ça, c'est une aberration. Les textes sont là pour démontrer que notre globe est marqué par la pluralité et que les hommes continueront à rester différents, sauf si Allah Azza wa Jal décide autrement. Dans un autre verset, toujours dans ce sens-là, il est très intéressant parce qu'il répond à ces détracteurs de l'islam qui se permettent de dire « Oui, vous cherchez à imposer votre manière de penser, votre religion, votre idéologie, comme ils disent maintenant, etc. » Allah Azza wa Jal, dans ce verset, il dit « وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسِ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ Si votre Seigneur aurait voulu, il aurait fait en sorte que tous les habitants de ce globe deviennent croyants. Est-ce toi, ô Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui souhaiterais imposer la foi afin que ces gens qui sont dans ton entourage, qui sont autour de toi, dans ton environnement, deviennent tous croyants? C'est une question. C'est une question qui porte une négation, ce que les exégètes appellent istifham inkari. C'est une manière de dire ce n'est pas possible. Il n'y a pas de contrainte et la diversité a toujours existé. Un exemple de l'histoire, l'Inde, el Hind. L'Inde, pendant des siècles, a été une province musulmane. Et pourtant, lorsque vous allez en Inde aujourd'hui, il y a encore des païens, il y a encore des hindous. Il y a encore des sikhs. Ils ont cohabité avec les musulmans pendant très longtemps. Ils étaient même sous l'autorité musulmane pendant très longtemps. Et pourtant, les musulmans ne les ont pas éradiqués de la planète parce qu'ils sont païens. Vous comprenez que l'islam accepte la notion donc de diversité. Et ceci ne nous empêche pas de témoigner de notre foi. J'arrive vers la fin, Inch'Allah. Un autre exemple assez frappant de ce réalisme par lequel se distingue l'islam, c'est cette politique prophétique, as-siyasa an-nabawiyya, cette politique prophétique qu'avait le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam, dans la manière de remédier à certaines situations. Dans le Bukhari Muslim, et cette version que je vous rapporte est celle de Muslim, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après la prise de la Mecque, il n'était pas satisfait de la manière dont la Kaaba
a été construite. Il n'était pas satisfait. Il y a des choses qui manquent. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en tant que messager fidèle à l'exemple et au modèle abrahamique, ibrahimi, il voulait absolument repenser la Kaaba ou la reconstruire sur les bases d'Ibrahim. Parce que maintenant, avec la prise de la Mecque, on peut célébrer le culte monothéiste parce qu'il n'y a plus lieu d'être. Parce que ce culte païen, pardon, n'a plus lieu d'être. Et regardez ce qu'il dit à son épouse Aïcha. Il dit « Laoula hadathati qawmiki bi kufrin la naqattu al-Kaaba wa la ja'altuha ala asasi Ibrahim. » Si ce n'était pas le fait que tes compatriotes viennent de quitter fraîchement l'incrédulité, j'aurais décomposé la Kaaba et je l'aurais reconstruite sur les bases de notre prophète Ibrahim. Ça, c'est un idéal. Pourquoi le prophète n'a pas voulu le faire? Parce qu'il savait que s'il le faisait, ça risquait d'être mal pris par les Mécois. Parce que pour les Mécois, c'était un privilège pour lequel ils se disputaient pour savoir qui va rénover la Kaaba. Il craignait, le prophète, sallam, et à juste titre d'ailleurs, qu'en agissant de cette manière, ces Mécois qui viennent de se convertir fraîchement à l'islam ne reviennent sur leurs pas en disant « Mohammed a attendu de prendre la Mecque et ensuite d'être le seul à pouvoir reconstruire la Kaaba. » Alors il a abandonné ce projet. Ça, c'est du réalisme. On a ici un idéal qui est de restituer au temple, à la Kaaba, sa dimension ibrahimique, mais en même temps, il y a une réalité dont il faut en tenir compte. Et c'est de là que certains juristes ont tiré la règle, donc « dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih ». Écarter une nuisance prend le dessus et a la primauté par rapport au fait de réaliser un intérêt quelconque. Et Inch'Allah, nous arrivons vers la fin de la fin. Encore un autre exemple, c'est la souplesse dont fait preuve la charia, la loi musulmane, et sa capacité à absorber, donc l'istihab, à absorber toute nouvelle situation. D'ailleurs, Ibn Taymiyyah avait une très belle expression, il disait que la charia avait pour but de concrétiser l'intérêt commun et de le parfaire, et d'écarter la nuisance et de la minimiser ou de la diminuer. C'est pour cette raison que nous avons des règles dans le droit musulman, telles que al-muwazana bayna al-masalih wal-mafasid, donc mettre une sorte de balance entre les intérêts et les nuisances qui peuvent, qui peuvent découler d'une situation particulière. Ou encore un autre exemple, la prise en considération de l'usage al-urf, tant que celui-ci ne viole pas un fondement des fondements de l'islam. Al-urf, l'usage. Autrement dit, il y a des aspects de la vie sociale où l'islam laisse un champ à l'usage, à l'urf. Je prends un exemple. Un seul exemple, c'est suffisant. Dans le cas du mariage. La dot, par exemple. La question de la dot, as-sadaq. Chez nous, au Maghreb, généralement, as-sadaq, la dot, généralement, elle se donne d'un seul coup, d'un seul trait. En Orient, vous avez une autre procédure. Ils ont ce qu'on appelle al-muqaddam al-mu'akhar, al-mu'ajjal al-mu'ajjal. Ce qu'on donne, entre guillemets, à titre d'acompte, je dis entre guillemets, en parenthèse, hein. C'est pas un commerce, hein, on n'achète pas les femmes. Ce qu'on donne comme premier énoncé, après on donne la suite. Ok ? Ça, cela relève de ce qu'on appelle l'usage al-urf. Chaque société a sa manière de penser ça, ou alors encore la manière de répondre. Il n'y a pas de réponse type quant à ce qu'on appelle ijab al-qaboul, donc l'admission et l'accord, le consentement des deux conjoints. Dans certains pays, dans certains usages, la personne prononce une certaine phrase, c'est de l'usage pour pouvoir marquer son accord, et dans d'autres, il dit oui, oui. Il ne doit pas dire Inch'Allah, oui. J'ai dit, c'est un jour un couple que j'ai marié à la grande mosquée.
Je demande aux frères, est-ce que vous êtes consentants d'épouser la sœur ici présente? Alors, on regarde, au début, il hésite. Je comprends pas pourquoi, mais il hésite. Oui? Je peux pas lui faire le choix, oui ou non, parce qu'ils sont là, ils viennent se marier, c'est normal. Alors, il me dit, Inch'Allah. Inch'Allah, laquelle, Inch'Allah, tahqiq ou bien ta'liq, celle qui... Évitons les ambiguïtés, dites oui. Elle dit oui. Voilà. Donc vous voyez, il y a des usages que l'islam prend en considération. D'ailleurs, il y a un auteur français qui s'appelle Régis Debray. Dans l'un de ses ouvrages ayant trait à la philosophie politique, il avait dit un propos très intéressant. Il expliquait l'une des raisons pour lesquelles l'islam en tant que message a pu se répandre très rapidement dans beaucoup de contrées. Et il impute cela, entre autres bien sûr, au fait que l'islam, là où il s'est trouvé, il n'a pas imposé un mode de vie. Il a gardé le mode de vie des gens présents dans ces contrées. Il a intégré toutes ces données sociales, ces rapports sociaux, il les a intégrées dans sa sphère. Et là, vous comprenez la notion de l'urf, l'usage. Tant que cet usage ne va pas à contresens d'un des fondements de nos enseignements ou d'un texte explicite, il est admis parce qu'il relève de ce que l'on appelle donc les relations sociales. Et pour terminer, Inch'Allah, ah, il me reste 3 minutes. Hein? 3 minutes. Ok. C'est les vrais, les 3 minutes. Ok. En 3 minutes, je vais conclure en 3 minutes. Hein. J'ai 2 points, je vais leur consacrer chacune 1 minute et demie. Comme ça, je suis sûr d'être dans les temps. Al-Waqi'i et le réalisme que nous venons de découvrir ensemble nous apprend une chose très importante à nous, aujourd'hui, nous les jeunes. Ne tombons jamais dans les clichés simplifiés. Pas de manichéisme. Certains de nos jeunes, ils ne connaissent que halal ou haram. C'est noir ou c'est blanc. Ils ne connaissent pas de nuance entre les deux. Ou c'est comme ça ou c'est comme ça. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, ce réalisme al-waqi'i représente pour nous, surtout nous qui vivons dans ces contrées, une matière très riche, permettant à ces jurisconsultes, à ceux qui s'attellent à répondre aux questions que rencontrent les musulmans présents ici en Occident, al-waqi'i, le réalisme, est une source d'inspiration. Non pas pour que l'islam s'adapte au contexte, non. La question, il n'y a pas d'antinomie. Tout simplement pour pouvoir, à partir de nos fondements, à partir des bases fondatrices de l'islam, al-qawa'id al-kulliya, que nous puissions répondre à une série de situations nouvelles que les musulmans présents en terre d'islam ou ceux qui nous ont précédés n'ont pas connues, que nous puissions répondre à ces questions. Et c'est ce qui démontre la vivacité de l'ijtihad et surtout le réalisme de l'islam. Et je termine par cette dernière conclusion. Et j'espère que Karim sera content parce que là j'aurai 3 minutes tip-top. Il reste encore du temps. Nous, on a le temps. Ah. C'est toi qui n'as pas le temps. Donc, la notion, je rappelle à titre de conclusion, la notion de réalisme ou waqi'iyya, ce ne sont pas nous qui la définissons. Je ne peux pas l'inventer de ma tête. Je ne peux pas dire ça fait partie du réalisme, ça n'en fait pas partie. Ce sont les fondements de la sharia, c'est l'esprit, c'est la philosophie du texte qui nous permet de définir par le chevet ou par le chemin de l'analyse du faqih, du juriste, consulte, du juriste consulte, c'est par ce chemin-là qu'on définit ce qui relève du réalisme de ce qui ne l'est pas. C'est là-dessus que je conclue mon intervention. Barakallahu fikum, jazakum allahu khairan, subhanakallahu bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka atubu ilayk, usalli usallimu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.